Ah, te voilà, toi. Eh bien, viens t'asseoir. Vous voyez, apparemment, il y a une légère querelle, vous voyez. Craig et Twig ont accepté de suivre une thérapie si tu y assistes, le nouveau, vous voyez. Alors, Craig, qu'est-ce que tu as à dire à Twig? Je crois surtout que c'est lui qui a des trucs à me dire. Vous voyez, Twig, tu veux commencer? S'il la joue comme ça, j'ai rien à lui dire. Vous voyez, eh bien, peut-être que... Le nouveau, si tu nous faisais part de tes réflexions. Vous voyez, ça ne se passe pas très bien. Bon. Les garçons, j'aimerais qu'on fasse un exercice, vous voyez. J'ai demandé à des enfants de nous aider. Quand on veut faire une thérapie, la première chose à faire, c'est se débarrasser des reproches, vous voyez. Alors, lâchons nos reproches. On les lâche, c'est à vous, les reproches. Vous voyez, et ensuite, dans une relation, on a les attentes, vous voyez, parce que les attentes mènent aux reproches. Ce qui, bien sûr, conduit aux accusations, à vous, les accusations, vous voyez. Et tout ça aboutit nécessairement au sentiment de persécution et au repli sur soi, vous voyez. Maintenant, il faut triompher de tout ça, vous voyez. Vous êtes prêts? Cassez-leur la figure! Ils sont là, allez-y, Twig et Craig, mettez-leur une raclée, toi aussi, le nouveau! On va danser! Enfin, pas littéralement, parce que je danse pas. On va cogner! Lâche-toi, le nouveau. Venge-toi de cette petite merde, ouais! C'est l'heure du frigo! Frigo? Vraiment? J'essaie, moi, super en pur! Pas mal. Ça fait du bien, hein? C'est sûr! Oh non, personne n'aime la persécution. Ouais, chope cette petite ordure. Super Craig, plutôt stupide Craig. Ok, t'as l'air geek. Méga coup de poing. C'est ça, frappe la brute à la gueule. Oh, le repli sur soi va donner un autre coup en traître. Et voilà, Wonder Twig. Tonnerre, je suis prêt. D'accord, t'es capable de contrôler la météo, mais c'est pas une raison pour en faire des tonnes. Mais si. Tu crois que c'est facile de contrôler la météo? Calme-toi, Twig. Oh, voilà cette grosse brute de persécution. Ça y est, la persécution donne des coups bas. Et revoilà les reproches. Twig est blessé. Quelle surprise. C'est parti. J'ai un truc pour toi. C'est comme ça qu'on fait mal. Voilà le repli sur soi. Personne se sentira bien après ça. Ça craint pour toi, le nouveau. La tempête approche! Wonder Twig! Nul! Non, c'est toi le nul! T'es le plus nul de toute l'histoire de la nullerie! Tu vois? Je te frappe parce que tu le mérites! Mince, allez-y doucement avec l'agression, vous voyez? Bon sang! Les reproches vont frapper! Ah, oh, c'est à moi! Baboum! Ça marche. Et qu'est-ce qu'on fait au repli sur soi quand il est clairement émotionnellement indisponible? J'allais le frapper. Laisse parler ton instinct, vous voyez. Craig, tu sauverais pas l'amour de ta vie?
J'étais occupé. T'es toujours occupé. J'ai besoin d'un bon montant. C'est l'heure de la douche. Je te tiens. Rien va sans dire. Le cul de nouveau a sorti une tempête. Les attentes sont coriaces pourtant. Il y a toujours des attentes. Ah ! Ah ! Mon Dieu ! Vous devez travailler main dans la main si vous comptez éliminer toutes ces attentes, vous voyez ? Twig, il a raison. Hein ? Ce n'est qu'en restant solidaire qu'on se débarrassera de ces attentes et de tout le reste. Craig ! Ouais ! On y va, Craig ! Je vais mourir, les mecs ! Je déconne même pas ! C'était magnifique, les garçons. Maintenant, foutez-leur sur la gueule! Hey, c'était mon acolyte. À moi de jouer. Méga coup de poing! Ouais, prenez ça, les reproches, comme vous voyez. Hein? Crevure. Ça te plaît, repli sur soi? Tu vas pleurer, là? Les points peuvent régler tous les problèmes. Vous vous sentez mieux, non? Ouais, c'est vrai. Moi aussi! D'accord, alors revenez me voir si vous avez besoin de conseils, vous voyez? C'est fini, et merci de ton aide, le nouveau. Ouais, mort aux attentes! Merci, le nouveau. Il reste du chemin à faire, mais je crois qu'on en a tous les deux envie maintenant. Viens, Craig! Je vais te rendre ton ordi! C'est notre ordi, Twig.